En ce qui concerne l'Algérie en particulier, nous avons eu la possibilité de monter une JV, une joint venture, avec la réglementation algérienne, c'est-à-dire actionnariat 51% algérien, actionnariat part étrangère 49%, et ainsi avec l'entreprise du métro d'Alger et le groupe Transtev, partenaire algérien, nous avons pu créer la joint venture ETAC, qui a été, je dirais, lancée fin 2014 avec une signature protocolaire à l'hôtel Matignon, en présence de M. Abdelmalek Sellal, Premier ministre algérien de l'époque, et M. Emmanuel Valls, Premier ministre français de l'époque. Et le 1er janvier 2015, nous avons débuté la mise en route de cette société d'exploitation-maintenance sur le territoire algérien. Aujourd'hui, la société compte plus de 700 personnes et a développé un savoir-faire et une méthode d'exploitation des appareils sur le territoire algérien qui a permis dernièrement de recevoir la certification ISO 9001. Alors l'Algérie est en soi maintenant un pays qui a une culture du transport par câble. Je dirais qu'en Algérie, le transport par câble urbain, ce n'est pas innovant, c'est une réalité quotidienne. Donc aujourd'hui, nous exploitons dans 6 villes algériennes, dont la capitale Alger, et nous avons 11 lignes en exploitation sur le territoire. De nouvelles lignes sont en cours de création. Ainsi, Tizi Ouzou va bientôt pouvoir ouvrir au public avec une ligne très importante qui permet de relier la gare routière à différents quartiers importants de la ville. Et voilà encore une référence de plus qui montre notre attachement à cette collaboration qui permet de former des gens sur place et un jour, je l'espère, à partir de cette base, d'aller plus loin dans le territoire, l'immense territoire qu'est l'Afrique.